Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Age of Empires 2 HD, la campagne des Conquérants. Et aujourd'hui, nous attaquons la toute dernière mission de toutes ces campagnes, donc de la bataille des Conquérants, où cette fois-ci on sera les Japonais et on se battra pour la mission Kyoto. Les navires glissent sur une mer d'huile, parsemée d'algues printanières rouges. Des pics rocheux, sur lesquels, contre toute attente, se dressent des pins, émergent de la brume. Les hommes à bord montent le guet en silence, tandis que le samouraï parcourt le pont. Ils vont débarquer près de Kyoto, où leur seigneur, Toyotomi Hideyoshi, va conduire le siège de la ville aux 10 000 sanctuaires. Dans Kyoto, des révolutionnaires retiennent prisonnier Oda Nobunaga, l'homme qui voulait unifier le Japon. Les îles japonaises forment un patchwork de fiefs détenus par des samouraïs querelleurs qui alimentent des conflits réglés par des duels rituels. Oda Nobunaga s'efforce d'unifier le Japon, entraînant les samouraïs provinciaux dans l'ère moderne. À l'instar de son maître Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi remporte ses victoires grâce aux mousquets, exploitant pleinement les armes à feu récemment introduites par les navigateurs portugais. Il n'a pas l'intention de négocier. Il va demander une seule fois la libération de Nobunaga, et s'il essuie un refus, il prendra la ville d'assaut. Ah là là, Toyotomi Hideyoshi. J'adore la culture japonaise, c'est vraiment une culture intéressante au niveau de Nobunaga en tout cas. Votre seigneur Nobunaga est prédit à Kyoto, libérer l'œuvre et sauver son honneur. Certains de ses samouraïs sont déjà à Kyoto avec leur Nobunaga. Ils ne pourront pas s'échapper seuls, mais peuvent tenter de protéger Nobunaga. Battez la garnison à Osaka, établissez votre propre ville à cet endroit. Ne détruisez pas les bâtiments inutilement ou il faudra y reconstruire une fois Osaka capturée. Le rouge. Donc ça en 102. Bien qu'une offensive directe sur Kyoto puisse réussir, les attaques furtives vous causeront moins de pertes. Les moines de Kyoto essaieront de rassembler toutes les reliques, mais ne laissez pas remporter une telle victoire. Il y a une relique sur Kyogo, et notre but c'est d'empêcher que Kyoto arrive à s'en récupérer. Pour gagner du temps. Vos forces d'Hideyoshi en Sion commencent à bord le navire de Lord Nobunaga. Après avoir envahi Osaka, nous traînerons rapidement en résistance pour établir une base. Vous avez trois ennemis dans la région. Osaka, en rouge, avec des murs et des châteaux, mais une petite armée. Kyogo, en bleu, et un village plutôt petit. La première attaque peut écarter cette masse, mais si vous parvenez à se développer à votre barbe, Kyogo attaquera finalement avec une infanterie d'archers et des samouraïs. Kyoto est le plus dangereux de toutes, car ils sont bien défendus, des lanciers, des samouraïs et des chevaliers défendent le château. Kyoto peut aussi bâtir une flotte si on lui en laisse l'occasion. Le seigneur Nobunaga est gardé en otage à Kyoto. Nous devons le secourir pour qu'il retrouve son honneur. Comme toujours, présentation d'armes technologiques. Voilà. Niveau cavalerie très bon, niveau d'infanterie très bon. Au niveau de la flotte très bon également. Excepté au niveau de la cavalerie, bien évidemment, mais c'est pas de la flotte. Ici, on a tout sauf hérésie. On n'a pas les tours à bombarde, mais on a les donjons. On a des samouraïs. Samouraï, unité unique, qui est un bonus qui a un x2, x3, x4, je sais pas, tout dépend des unités d'élite adverse. Donc par exemple contre les lanceurs de haches, contre les cataphractes, contre les éléphants de guerre. C'est pas forcément le meilleur bonus, mais c'est pas trop mal. Cette unité a les trébuchets, s'assemble et se démonte plus rapidement, ce qui est génial. C'est pas trop grave qu'on ait pas ça, parce qu'on a déjà au moins le premier palier. Canon bombarde inutile à cause de cette technologie là pour les trébuchets. Le manque de barre plaquée ne pénalise pas du tout la faction. Architecture, c'est dommage, mais c'est pas encore trop grave. Chimie, c'est bien. Projectile en feu absent est un problème, je trouve, pour cette faction, mais c'est pas grave. Et il nous manque ces deux recherches-là. Et celle-ci. Voilà. En premier, on va essayer nous de faire ça. Vous allez vous demander pourquoi je fais ça. Ça permet de gagner quelques PV sur les troupes. On défend notre maître. Non. Les rebelles de Kyoto ont exécuté le seigneur Nobunaga. Ils paieront ce crime de leur vie. Qu'aucun château ne soit épargné.
Là, on récupère la flotte. Préparez-vous à débarquer sur le rivage ennemi. Oh non, pas encore ce... J'ai rien dit. Que parfois il y a un bug, c'est les navires, en fait, ils débarquent pas, ils c'est... Nous enverrons des saboteurs pour faire tomber ce mur. Voilà. C'est dans un navire, mais dans certaines missions, parfois, t'as parfois des navires qui débarquent pas. Et c'est... Toutes les missions, ça commence par un débarquement, et t'as souvent ce problème de script qui arrive régulièrement, qui fout en guerre la campagne. Désolé de dire, y a pas d'autre terme. Alors, notre but, ce n'est pas de tuer ça. Bien que c'est tentant. Nous avons capturé des bombardes ennemis. Alors. Voilà, donc ici, vous tirez un coup de bombarde. Il y a un château là-haut, pour ceux qui se posent la question. Établissez une base, vous pourrez attaquer Kyoto. Et comment on fait se rendre aux Osaka? De mémoire, il faut dégommer tous les bâtiments militaires. Il s'est foutu un tir dessus à cause du mur. Voilà. Tac, tac. Comme terreur. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Ça aussi c'est fait. Bon, par contre, eux, ils ont eu le temps d'exploiter de l'or, mais ça j'y peux rien. À un moment, on est bien obligé de faire quelques concessions. C'est quasiment certain que c'est... Nous avons capturé le forum ennemi. Voilà. Donc on récupère pas ça. J'ai toujours un doute, est-ce qu'on récupère ou pas tout ça, mais en fait non. Donc là, on va commencer à construire plein de villageois. Là, sans aucune pitié, vous rasez tout. Moi, je vous le dis tout de suite. Pas de pitié, vous rasez tout. Maintenant, il faut raser Kyoto. Par contre, cette mission sera beaucoup plus longue que la précédente.
Avec les Coréens, je préfère vous dire d'avance. Je pense que vous en doutez déjà. Ici, par contre, il me faut très vite, moi. Tac, 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 tac. Alors, je remplace tout ça par nécessité, hein, évidemment. L'or, l'or, l'or. Mais c'est pas sur ma flotte. Pas quelque part, flotte. Bon, c'est pas trop grave encore. Voilà, là, il nous faut assez rapidement beaucoup de nourriture. Bon, ça, je pense que vous en doutez. Hein. Faut pas être demain pour voir ça. La pierre. Si je peux récupérer assez vite la pierre, ça peut être un bon petit avantage. Et voilà, là au moins j'ai déjà sécurisé ce lieu-là. Il y a de la pierre aussi ici en plus. Ne pas s'inquiéter, il y a vraiment du stock hein, au niveau ressources. Le forum est bon. Ici c'est bon, là on va voir ce qu'on peut trouver. On fouille un peu. Tout. Maintenant qu'il y a un deuxième château. C'est des petites informations ça qui sont importantes à choper. De toute façon Sakara est mort, mais l'avantage c'est je trouve que les deux châteaux où ils sont positionnés sont pas trop mal, ils sont sur des hauteurs, protègent bien la ville, c'est prévu pour protéger de toute façon ces endroits stratégiques. Hein. Ça se voit de toute façon comment il fait la map, que c'est fait exprès que ça soit protégé comme ça. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10. Hop. Hop, 10. Donc toi, ici. Mine d'or, allez. En fait, je vais en rapatrier deux, ce qui peut être étonnant. Mais voilà, c'est pour utiliser toutes les fermes qui me sont accordées. Vraiment pour qu'il n'y ait aucun laissé aller à ce niveau-là. Ici, on va construire. On a même pas besoin de. En fait, cette université-là, elle fait. Elle est pas dérangeante, mais. Je pourrais faire mon chien et vous dire qu'elle est ultra mal placée, ça serait pas fou. Ensuite, ici, je vous ai pas montré les bonus par contre de la faction. Plus 25 vitesse d'attaque pour toutes les unités d'infanterie. Guerre, plus de vue, samouraï, etc.
Navire de pêche fois 2 PV, plus 2 points d'armure, taux de travail plus 5, plus 10, plus 15, plus 20. Le taux de travail, je sais pas qu'est-ce que c'est, je ne sais pas quand ça se compte. Si quelqu'un a des indices dessus pour m'expliquer qu'est-ce que le taux de travail, que ça soit en stats, que ça soit évaleur ou quoi, que je puisse comprendre, je vous en serais très reconnaissant. Parce que je vais pas dire que c'est chiant, mais j'aimerais bien savoir à quoi ça correspond vraiment. Est-ce que c'est la vitesse de recolte de toutes les ressources? Non, ça doit être que les navires de pêche, je pense, le taux de travail. Parce que c'était pour des navires de pêche, c'est pas la quantité. Que le coup c'était la quantité, avec les Aztèques c'était nommé différemment. Donc vraiment, moi, le taux de travail, c'est la valeur dans le jeu que je ne pourrais vous expliquer. J'aurais dit la vitesse de récoltage de ressources. Mais voilà, c'est sans certitude, c'est sans confirmation. De source pour les navires de pêche, avec les Japonais, c'est beaucoup navires de pêche, les Japs. Voilà. Voilà. Et je vous laisse deviner qu'est-ce que je vais faire moi de l'autre côté. Voilà. Ah, j'ai aucun scrupule, hein. Foutre un château de leur côté, j'ai aucun scrupule à le faire. Savoir que samouraï canonnier à main, j'aime bien en composition. J'aime bien. Après, bon, vous avez les arbalétriers qui sont géniaux, vous pouvez les avoir. C'est beaucoup plus précis, des dégâts beaucoup plus constants. Les canonnières à main, c'est le manque de précision qui refont défaut. D'ailleurs, ça serait bien de faire ça là-bas. Par contre, le seul gros problème de cette map, c'est généralement le manque de ressources en bois. Qui peut être assez déstabilisant pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer avec peu de bois. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre mission, par contre, qu'il faut vraiment que je m'entraîne en difficile, qui risque d'être ultra tendue. J'ai toujours pas réussi en difficile. On verra bien de toute façon mon taux de travail. Ah, ou taux de travail, c'est le taux de construction. Peut-être c'est le taux de construction des fermes navales. Vous avez des pièges à poissons, je crois que ça s'appelle. Ah. Bonne piste ça. Ah, j'ai peut-être trouvé. Du coup, c'est ça. Voilà. Ça, c'est fait. Au fourneau, on va les faire aussi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. 10 ici, tout le monde est content. Ouais, on a un château, youpi. Ouais. Ils ont largement pu aller chercher leur geek, je suis en train de venir.
au fourneau. Ça par contre c'est un excellent point de la faction, c'est que les samouraïs se produisent très 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 vite. Et le château normalement je crois qu'il est de mémoire sur le côté gauche de la cité. On va déjà envoyer la cavalerie s'occuper des archers. Ouais, le château on voit d'ici. Toujours sur une hauteur pour pas changer les habitudes. Très drôle. Punaise. Ça fait chier. J'ai encore une fois réussi à prendre cette relique. Je sais plus exactement où sera ma map, à vous dire vrai, mais je sais qu'il faut attaquer vite ce camp pour éviter qu'il la récupère. J'aurais pu attaquer avec les troupes de base, c'est ça le pire. Je suis en train de me rendre compte. J'ai fait plein de troupes en plus, mais en fait... construire plus de navires de guerre et on va devoir précipiter un peu l'attaque. Enfin, pas précipiter donc plutôt accélérer la préparation de l'assaut plutôt devrais-je dire. Mais c'est pas vraiment précipiter. Je compte pas lancer un attaque sans que mon armée soit prête, etc. Gagnant un canon, il va me falloir, regarde, il va me falloir. Le bois, on... Punaise, j'ai plus assez de bois. Oh punaise. Ah bon, j'ai pas moyen de...